Bonjour à tous, ici Luc Elementix. C'est une vidéo pour vous faire une annonce un peu particulière. Depuis plusieurs mois, je songe à faire des vidéos de review sur ma chaîne YouTube. Je me suis jamais lancé parce que, comme vous, en fait, j'ai un appareil photo qui permet de filmer. Mais enfin, quand je filme, ça a l'air, la qualité a l'air pas mal, mais quand on voit les vidéos après sur l'ordinateur, bah, c'est pas tip top. C'est pour ça que j'ai pas encore fait de review. Et en fait, j'espère avoir un de ces jours un nouveau portable pour pouvoir filmer. Enfin, parce que j'ai pas la fonction caméra avec celui que j'ai. Enfin, voilà, j'ai toujours voulu faire des reviews parce que je vois les gens en faire et puis je me dis ce serait bien d'en faire. Surtout que moi comme vous voyez, je collectionne un peu les poupées. Monster High, Ever After High, j'en ai pas beaucoup, mais j'aime beaucoup les Ever After High. Puis il y a aussi les Wings de Mattel que j'aime beaucoup. J'ai aussi des livres que j'aimerais aussi vous montrer, mais voilà, donc je me suis jamais. Pourquoi je me lance aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, j'ai beaucoup de Monster High. En fait, j'en achète beaucoup en brocante. Je vais me débarrasser d'une partie d'entre elles pour faire un peu de la place. Je vais me débarrasser de ces cinq-là. Il y en a deux que je vais donner à une amie qui recherche les basiques. Et puis il y en a les trois autres, elles vont partir, je vais les vendre à quelqu'un. Donc je me suis dit ce serait dommage de les donner comme ça et de ne pas faire une review avant parce que quand même, c'est quand même de très belles poupées. Donc je vais vous faire les reviews de chacune d'entre elles. C'est la première fois que je fais une review, je vais sûrement bafouiller. Il y a la caméra qui va sûrement faire un peu des siennes, enfin. Voilà, on va dire que ces cinq reviews, ce sera une sorte d'entraînement pour moi, pour quand je ferai vraiment officiellement des reviews. Tout d'abord, je vais vous présenter les poupées. Tout d'abord, Gina Fire, la fille du dragon, qui vient de la collection Scaris, mais c'est sa basique, vu que c'est la première fois qu'on la voit, enfin on la découvre dans le film Scaris. Vénus, la fille de la plante carnivore. Ensuite, Spectra, fille du fantôme. Donc, vous voyez, j'ai les accessoires aussi. Enfin, j'ai pas tout, vu qu'en brocante, les gens, souvent, ils ont perdu beaucoup d'accessoires. Ensuite, Draculaura, dans sa tenue du film Pourquoi les ghouls tombent amoureuses. Et enfin, ma préférée, Cléo Dunnill. Elle est un peu en mauvais état, c'est sa tenue, la fête des ghouls. Voilà, donc je vais vous faire les vidéos de ces cinq poupées une à une. Et je vais vous les poster très prochainement. Voilà, je vous l'ai dit, ce sera vraiment pas terrible la qualité des vidéos. D'ailleurs, en plus. Je ne sais pas trop comment vous allez percevoir ma voix. Ce sera la surprise. Voilà, je vais commencer la review et puis je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao!